So for the optimistic cynic guy, shit, ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Bonjour à toutes et à tous, c'est JD, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière vu qu'elle va totalement changer des vidéos et surtout des lives qu'il y a eu précédemment. Parce que oui, cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, ça va être une sorte de bilan de ce mois où on aura fait des lives. Parce qu'on aura fait exclusivement des lives durant ce mois, on aura fait une dizaine de lives environ. Donc déjà, je vous remercie pour ceux qui ont suivi la plupart des lives, si ce n'est tous les lives. Je pense par exemple à MC Steve, à Jorian qui passait des fois des petits coucou, à Valentin qui était aussi souvent présent. Enfin, je remercie vraiment tout le monde d'être passé sur les lives, quand je les faisais sur Twitch, quand je les faisais aussi sur YouTube. Je vous remercie vraiment pour... désolé si je m'exprime mal, il est 1h du matin, donc bon, disons que c'est un peu compliqué pour parler. C'est pour ça aussi que je parle un petit peu plus doucement et plus calme, parce que bah il y a mes parents qui tapent. Du coup, oui, on était où je disais, merci à tous pour ceux qui sont passés sur les lives. En tout, on aura fait une dizaine de lives. Si je complète bien, sur YouTube, on en aura fait 9, et sur Twitch, on en aura fait 10. Il y a un live que j'ai pas pu faire sur YouTube, tout simplement, par manque de temps parce que Rostreamio avait bugué. Du coup voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un live sur YouTube. Mais du coup, si vous voulez voir tous les lives que j'ai fait, si vous voulez vraiment les voir tous, ils sont dans le lien qui est dans la description de sur la chaîne de Rediff de live. J'ai des sociétés live Rediff. Voilà. Sinon j'ai pas grand chose à dire si ce n'est je vous remercie juste. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce mois de live avec moi. Ne serait-ce que le nombre de vues qu'il y avait sur les lives, c'était assez cool. Le nombre d'abonnés et de followers qu'on a pris aussi sur YouTube et sur Twitch, c'était quand même assez cool. Je vous en remercie. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Hein. En tout cas, ce mois qu'on a fait tous ensemble durant les lives, ça changeait des vidéos parce que les lives, c'est pas du tout la même chose qu'une vidéo. Les lives étaient vraiment proches de la communauté, étaient vraiment proches de tout le monde. C'était beaucoup plus proche qu'en vidéo. Comme là où tu parles facecam juste, c'est plus proche déjà qu'une vidéo Clash of Clans, mais le live c'est vraiment l'aboutissement du rapport qu'on a entre les abonnés et les youtubeurs. C'est vraiment ça qui crée le lien. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est pratiquement 400 abonnés, donc je vous en remercie aussi. Il y aura une vidéo je pense dédiée aux 400 abonnés à la rentrée, et aussi je l'ai dit durant le live que j'ai fait, bon à l'heure où je l'ai fait c'était du coup le 29 juin, du coup où il y avait marqué dernier live, bon c'est le dernier live entre guillemets parce que c'est le dernier live de la série juin, mais du coup sachez que les lives vont reprendre normalement en septembre, exactement le même rythme qu'en juin, c'est-à-dire deux lives, un live tous les deux jours à peu près, si j'arrive à m'en tenir ce serait pas mal, si je pouvais faire aussi des vidéos pour caler par exemple les jours où il n'y a pas de live, bah ce serait cool. Pas une vidéo tous les deux jours, hein. Ça c'est impossible me connaissant, sauf si je fais montage des V6 tous les deux jours, là il n'y a pas de problème, mais bon les montages des V6 ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne parce que cette vidéo normalement sort avant toutes les autres que j'ai prévues, c'est à dire les trois que j'ai déjà tourné, mais du coup voilà, je tenais encore à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aussi sur les lives parce que je sais que j'avais pas une qualité de ouf. Par exemple sur YouTube c'était limité à 480p et vous m'avez pas dit oh ta qualité elle est pas ouf. Ça m'a étonné d'ailleurs parce que ma qualité elle était pas splendide, hein. Clairement ma qualité a été un peu moche. Parfois il y avait des bugs, souvent le logiciel il buguait et en fait vous êtes une commune en or parce que vous m'avez pas du tout dit ça, vous m'avez pas du tout dit ouais c'est ça bug, c'est tout, c'est chiant. Pas du tout, vous êtes une commune en or, je vous en remercie parce que du coup. Tout à fait pour que les lives se passent bien aussi. J'ai su bien gérer les lives et vous avez été hyper sympa, donc je vous en remercie, même si parfois il y avait des problèmes techniques. Vous avez été patient, vous avez attendu, par exemple les moments où le logiciel est planté, vous avez attendu que je le redémarre à chaque fois, et vous êtes vraiment resté sur les lives. Ça je vous en remercie encore une fois. De toute façon je pourrais vous dire plein de mots pour vous remercier. Il n'y aura jamais un mot pour vraiment vous décrire merci. Voilà, je pense que le dernier mot que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sera merci. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, je vais pas m'éterniser pendant 5 milliards d'années sur ce sujet. Je vous remercie encore une fois
pour les lives qu'on a eu en juin, pour la dizaine de lives qu'on a fait. Je vous remercie vraiment tous ceux qui sont passés sur les lives. Allez, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube. Me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Discord, sur ma chaîne de Rediff et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description sur ce CTGD. Et moi, je vous dis bye tout le monde et je vous dis à bientôt et merci à vous.